Moussa Koli News avec Nila Mbungu. Vos informations en temps réel. La bonne information, c'est Moussa Koli News. Quelle est la vérité dans sa totalité? Comme je vais l'écouter cet après-midi, mon esprit sera nourri. Mon esprit sera nourri. Et je grandirai. Et je grandirai. Cette parole que je vais écouter cet après-midi, va transformer ma vie. Je ne serai plus jamais la même personne. Je ferai des exploits. Et je ferai des choses surnaturelles. Ainsi je l'ai déclaré. Qui peut me donner un grand amen? Restons debout, nous ouvrons nos Bibles dans Genèse chapitre 11. Genèse chapitre 11. Je lirai du 1er au 11e, au 6e verset. Genèse, c'est le premier livre de la Bible. N'allez pas dans la seconde partie de la Bible, c'est juste le premier livre de la Bible. Amen. Nous lisons Genèse chapitre 1er et chapitre 11e, pardon, du 1er au 11e verset. La Bible dit, toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme il était parti de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Chinéa et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuissons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et de bitume de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Verset 5, la Bible dit, l'Éternel est descendu pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Verset 6e, l'Éternel est dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Amen. Si c'est ta Bible, bien-aimé, souligne bien le verset 6e. Ça, ici, c'est Dieu lui-même qui parle. La Bible dit, l'Éternel est dit, voici, ils forment un seul peuple. Et ils ont et c'est là qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien, la Bible dit, c'est Dieu qui parle, il est en train de dire, comme ces peuples forment un seul peuple, ils sont tous unis, ils forment un seul peuple, il dit maintenant, c'est Dieu qui parle, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Que l'Éternel bénisse. Travaillons. Il conjugue les verbes toujours dans le premier. Tu connais quoi? Première personne du pluriel. Donc, c'est ensemble toujours. Il parlait toujours de l'ensemble. Et ils ont commencé à fabriquer des briques,
Après avoir fabriqué les briques, la Bible dit les victimes et tout ça, les ont servi des timbres pour construire la tour dans les sommets du chemin au ciel. Ils ont commencé à travailler, à construire leur tour. À un moment donné, Dieu au ciel s'est dit, je dois descendre sur ma terre pour voir ce que fait le fils de l'homme. Alléluia. Amen. Dieu a pris la résolution de descendre pour voir ce que faisait le fils de l'homme. Dieu est descendu. Il a vu ce que l'homme était en train de faire. Il a dit tellement que ce peuple est inné. Tellement que ce peuple parle la même langue. Ils ont tous le même esprit. Rien ne les empêche. Ça, c'est Dieu qui est en train de gérer. Dieu a vu la détermination qu'avait ce peuple. Ce dont je voulais vous parler cet après-midi, c'est la détermination. Je vous parle de la détermination. Bien-aimé, vous ne savez pas ce qu'une détermination peut emporter dans votre vie. Vous ne savez pas ce qu'une détermination peut créer et produire dans votre vie. La détermination est efficace et puissante. Alléluia. Amen. La détermination, je parle de la détermination. La détermination, bien-aimé, tu verras des portes inimaginables. Parce que tu es tellement déterminé dans la vie, tu y arriveras. Cet après-midi, je suis en train de dire à une personne, ta destination. Amen. Et qui entrera dans ta destinée, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que tu seras tout simplement déterminé, tu entreras dans ta destinée. Amen. Est-ce que quelqu'un croit encore cet après-midi? Amen. Que tu as une grande destinée, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Dieu ne t'a pas créé en vain. Dieu ne t'a pas créé, bien-aimé, pour accompagner les gens sur la terre. Dieu t'a créé parce que tu as une grande destinée. Pour entrer dans cette destinée, bien-aimé, tu dois avoir de la détermination. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je voulais te dire? Amen. La détermination, bien-aimé. Écoutez, dans cette histoire, je voulais vous donner deux éléments. Deux éléments importants pour que tu arrives à ta destinée. Deux éléments importants, bien-aimés, pour que tu réussisses dans la vie. Deux éléments importants, bien-aimés, pour que tu triomphes. Deux éléments importants. Selon cette histoire, je n'ai pas dit que c'est le seul, ce n'est que ces deux éléments, bien aimés. Non, je parle par rapport à l'histoire. Alléluia. Amen. La détermination, bien aimé dans le Seigneur. J'ai cherché dans mon dictionnaire, le dictionnaire dit ceci. La détermination, c'est un acte de volonté, de décision, de résolution. Amen. Amen. La détermination, le dictionnaire définit la volonté, la détermination comme étant un acte de volonté, un acte de décision, un acte de résolution. Il y a une autre définition, toujours pour la détermination, c'est le caractère d'une personne déterminée, fermement décidé à voir ce dont il a besoin. C'est un caractère d'une personne déterminée, fermement décidé. Alléluia. Amen. Et moi aussi, je voulais vous dire, bien-aimé dans le Seigneur, la détermination, c'est aussi un désir intérieur. Alléluia. Amen. Cette force intérieure qui sort de toi, qui te pousse à avancer, qui te pousse à percer, qui te pousse, bien-aimé, à triompher et à réussir dans la vie. Tu n'es pas venu accompagner quelqu'un sur la terre. Alléluia. Amen. Dès que
sommes les bien-aimés, personne n'est sujet de personne. Tu n'es venu accompagner personne sur la terre. Et tenons dans notre histoire, la Bible dit ceci. Au verset 4e, ce peuple se dit, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom. Ce peuple commence. Deux éléments, je voulais vous parler concernant cette détermination. Ces deux éléments vous aident à être déterminé dans la vie. Alléluia. Amen. La première des choses, ce peuple dit, bâtissons une tour, une ville, et une tour dont le sommet touchera le ciel. Ce peuple parle et dit, bâtissons-nous une ville, et une tour dont le sommet touchera le ciel. Ce peuple connaissait ce qu'il voulait faire. Connaissait ce qu'ils avaient dans leur tête. Ça, c'est la vision. Ils avaient une vision. Ils avaient un objectif. Ils avaient un but qu'ils voulaient poursuivre dans la vie. Ils se sont dit, faisons, bâtissons-nous une vie. Ils se sont fixé un objectif dans la vie. Ils se sont fixé une vision. C'est de construire une ville dont la tour et le sommet touchera le ciel. Et cette vision était claire et précise. Nous devons construire une ville et la tour dont le sommet touchera le ciel. Vous voyez, ce peuple donne la précision par rapport à la construction même de leur tour. Le sommet de leur tour va toucher le ciel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu connais réellement ce que tu veux faire de ta vie? La Bible dit un peuple sans vision, c'est un peuple sans foi. Quelqu'un qui n'a pas de vision, il marche vaille et vaille et bénit. Il ne sait où aller, bien aimé dans le Seigneur. Quelqu'un qui a la vision, il sait aussi le fixer, bien aimé, ses regards par rapport à sa vision, par rapport à son objectif. Il a un but qui poursuit dans la vie. Alléluia. Amen. Il a un but. Il poursuit un but dans la vie. Ce peuple a commencé par avoir cette vision. Il a commencé. Cette vision, ce n'est pas Dieu qui leur a donné. C'était un objectif. Eux-mêmes se sont fixés. Alléluia. Amen. Je ne parle pas de la vision que tu as reçue de la part du Seigneur. Peut-être que tu as reçu une vision de la part du Seigneur. Mais j'ai dit ici, bien-aimé, qu'est-ce que tu veux devenir? Est-ce que tu vois réellement ce que tu seras dans 2 ans, dans 5 ans? C'est ça la vision. Celui qui voit ce qu'il veut devenir, il arrivera un jour. Alléluia. Amen. Si tu ne vois rien, bien-aimé, tu n'arriveras jamais. Alléluia. Amen. Si tu ne sais là où tu vas, tu n'arriveras jamais. Comment tu sauras que tu es déjà arrivé? Parce que tu n'as aucun objectif, tu sais où tu vas, bien aimé. Comment tu vas dire que je suis arrivé? Non. Avant de quitter chez moi, je savais que je devais arriver ici. C'est un objectif que je me suis fixé, que non. Donc je dois quitter chez moi pour arriver ici à Villechantillon. Alléluia. Amen. Donc je sais. Même quand je roule, je sais que je dois arriver à Villechantillon. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Ça, c'est la vision. Tu dois avoir un objectif dans la vie. Peut-être que tu es là, tu ne sais même pas. Tu dis, bon, ok, bon, le monde m'a conduit tel qu'il veut, tout ça, donc moi, je suis seulement le monde. Je suis seulement ce que les gens font. Non, bien, mais tu dois avoir un objectif dans la vie.
tu dois avoir une vision. Alléluia. Amen. Et deuxièmement, au verset 3e, la Bible dit, allons, faisons des briques et puissons-les au feu. Ici, ce peuple est toujours la première personne du pluriel. Il parle toujours faisons des briques et puissons-les au feu. Deuxième élément, c'est l'activité du travail. Alléluia. Amen. Tu peux avoir la vision. Tu peux te fixer des objectifs dans la vie. Mais si tu ne travailles pas par rapport à ta vision, si tu ne travailles pas par rapport aux objectifs fixés dans la vie, tu n'arriveras pas. Alléluia. Amen. Même si c'est une vision reçue de la part du Seigneur, tu croises tes bras, ne crois pas bien aimé dans le Seigneur que tu arriveras. Parce que les dieux même que nous prions, c'est un Dieu bosseur, c'est un Dieu travailleur. Alléluia. Amen. Dieu travaille bien aimé. Dieu n'a jamais croisé ses mains. Il savait ce qu'il voulait faire. Avant de créer toutes les choses, Dieu dans sa tête, il avait déjà la pensée. Et il connaissait ce qu'il voulait réellement faire. C'est pourquoi quand il a commencé à travailler, il a commencé à dire, Dieu dit que la terre soit, la terre fut. Parce qu'il connaissait ce qu'il avait dans sa tête. C'est qu'il avait déjà sa vision, il avait les objectifs qu'il poursuivait. C'est pourquoi il a commencé à travailler par rapport à ce qu'il avait. Amen. Alléluia. Amen. Dieu ne s'est pas réveillé directement, tout est sorti comme ça, non. Dieu savait ce qu'il voulait faire. Quand il disait que la terre se sépare des eaux, il savait ce qu'il voulait dire réellement, parce que dans sa tête, il connaissait bien les mains dans le Seigneur. Vous savez, quelqu'un qui veut construire une maison, tu dois d'abord avoir un plan. Ce qu'on appelle un plan architectural. Vous savez, ceci, bien aimé. Si aujourd'hui vous voulez construire une maison, ne commence pas directement à dire, bon, allez, venez, les maçons, venez. Ici, je vais une chambre, là-bas, une cuisine et tout ça. Alléluia. Amen. Si tu le fais comme ça, ok. Tu auras quand même un résultat. Mais laisse-moi te dire, tu perdras beaucoup d'argent et tu perdras beaucoup d'énergie. Alléluia. Parce que quand on commence à construire sans plan, à un moment donné, on se dit, cette pièce ne devait pas être ici. Alléluia. Donc il faut tout démolir. Tu démolis, tu perds les matériaux. Tu perds du temps, tu perds de l'argent. Il faut avoir un plan architectural. Là, tu sauras bien faire tes tracés dans la vie. Alléluia. Amen. C'est ce que j'appelle la vision. Les objectifs, c'est un plan bien aimé dans le Seigneur. Qui te permet de travailler par rapport à ce plan. Alléluia. Amen. Il faut avoir ce plan. Si tu n'en as pas, bien aimé, tu perdras toute ta vie. Du temps, de l'énergie et tout. Alléluia. Amen. Dieu a travaillé. Notre Dieu, ce n'est pas un Dieu paresseux. Il travaille, bien aimé. Et vous savez, la Bible nous dit, le travail procure de l'abondance. Le travail procure de l'abondance. Et la Bible dit encore ceci. La plus grande bénédiction que Dieu a donnée à l'homme, c'est l'activité, c'est le travail. Parce que Dieu sait que quelqu'un travaille, il devient prospère. Quand quelqu'un travaille, il devient riche. Quand quelqu'un travaille, il perce
dans la vie. Si tu ne travailles pas, bien aimé, tu seras un paresseux. Et vous connaissez Proverbe 6, bien aimé, par rapport à la fourmi. Alléluia. Amen. Paresseux, bien aimé. Dieu n'aime pas les paresseux, parce que lui-même n'est pas un paresseux. Nous devons travailler par rapport à notre vision, par rapport à notre objectif. Dieu a commencé par travailler. Alléluia. Amen. Il a commencé par travailler. La première des choses dont je vous ai dit, c'est la vision. Si vous n'avez pas de vision, vous n'irez nulle part dans la vie. Nulle part. Vous allez commencer qu'à tourniquer dans la vie. Et vous n'avancerez jamais. Alléluia. Amen. Deuxième élément, j'ai dit, c'est le travail. Ce peuple s'est dit, allons, faisons-nous des briques et puissons-les au feu. Ce peuple a commencé à travailler, bien aimé. Ce qui est intéressant dans cette histoire, j'ai dit, ce peuple, quand il parle toujours à la première personne du pluriel. Il parle toujours de nous. Faisons, construisons, bâtissons. C'est ce qu'il parle. Alléluia. Donc, ce peuple était unité dans l'esprit. Laisse-moi vous dire, si vous voulez aller loin de nous, nous devons rester unis. Alléluia. Amen. Dieu nous appelle à l'unité, bien-aimé. Vous croyez que ces peuples n'avaient pas de problème entre eux? Ces peuples avaient des problèmes entre eux aussi. Mais ils ont laissé tomber leurs dévots, ils ont laissé tomber leurs différents. Mais ils se sont dit, par rapport à ce que nous avons comme vision, nous devons nous mettre ensemble pour travailler. Alléluia. Amen. Si nous voulons que notre église aille de l'avant, bien-aimé, nous devons nous tenir la main dans la main. Travailler tous ensemble, bien-aimé, pour que nous puissions réussir dans la vie. Alléluia. Amen. Vous savez, Esdras, au verset chapitre 4, verset 10, la Bible dit ceci. Esdras, chapitre 4, verset 10, la Bible dit, cette affaire te concerne. Alléluia. Amen. Cette affaire te concerne. Mais nous allons te soutenir. Alléluia. Amen. La église, ce n'est pas l'affaire du pasteur, tout simplement. Oui, c'est lui qui nous conduit. C'est lui qui nous dirige. Mais Esdras se dit, nous allons te soutenir. Il parle toujours dans les premières personnes du premier. Parce qu'il savent, bien aimé, c'est lui qui est la tête, il nous conduit. Mais nous sommes là pour les soutenir. Alléluia. Amen. Dans l'église, bien souvent, on laisse penser que bon, c'est l'église du pasteur. L'évangélisation, c'est le pasteur qui doit faire. La modération, c'est toujours le pasteur. La musique, c'est toujours le pasteur. Parce que c'est son affaire. Alléluia. Amen. C'est son business. C'est son affaire. Alléluia. C'est lui qui a reçu la paix. Mais écoutez bien, aimé dans le Seigneur. Et Pâtre nous dit, cette affaire te concerne toi. Mais nous sommes là pour te soutenir dans cette vision, dans ce combat. Nous sommes là et nous sommes avec toi. Alléluia. Amen. Nous sommes là avec toi. C'est vrai que la fête te concerne. Mais nous sommes là. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. C'est toujours le pasteur qui doit faire l'évangélisation. C'est toujours lui. Même payer la taxe, c'est toujours le pasteur qui doit payer. Bon, moi je suis un simple mondinien, comme les chrétiens disent. Bon, c'est le pasteur qui doit se battre pour qu'on ne ferme pas la salle. Donc, il doit se battre parce que c'est son église, soi-disant. Alléluia. Amen. Ici, ce peuple parle de nous. Il savait que c'était notre affaire. Nous devons tous être là pour que l'œuvre de Dieu avance. Pour que nous puissions accomplir la vision.
arriver chez nous. Le problème, chacun pour soi, Dieu pour tous. Moi, j'ai fait ce que j'ai à faire. Bon, mais ce peuple, non. Il savait qu'il forme un seul peuple. Ils avaient un même langage. Ils parlaient une même langue. Donc, l'affaire, ce n'était pas l'affaire d'une personne. Mais la question, peut-être qu'elle est venue d'une seule personne. Mais quand ils ont pris la vision, même la vision est devenue l'air aussi bien aimé dans les terres. Ils ont fait de la vision leur propre vision, leur propre objectif. Ils se sont dit, nous devons construire une ville et la tour dont le sommet touchera les cieux. Alléluia. Amen. Ils ont commencé à travailler, comme j'ai dit. Dieu est un bosseur, est un travailleur. Si nous ne travaillons pas, nous ne verrons pas de résultats dans la vie. Nous devons travailler béni. Et ce peuple a commencé à travailler. Mais ce qui est intéressant, comme je dis, Dieu lui-même est descendu. Au verset 6e, Dieu est descendu pour voir ce que faisait le fils de l'homme. Il a dit ceci. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire quoi que ce soit. Rien ne les empêcherait d'obtenir tous ces dons qu'ils ont projetés. Rien ne les empêcherait parce que Dieu a vu la détermination qu'avait ce peuple. La détermination, bien-aimés. Si nous sommes déterminés, bien-aimés, nous allons gagner. Je dis champion. Alléluia. Amen. Si nous sommes déterminés, bien-aimés, dans la vie. Vous savez, nous avons les mêmes problèmes, nous les chrétiens, parfois. Tu es là, tu vis, tu continues à vivre dans les péchés. Tu te dis, oh, il y aura toujours un jour où le Seigneur lui-même fait la grâce que je ne fasse plus les péchés. Alléluia. Non, bien-aimé, tu dois être déterminé dans la vie. De dire, de savoir dire non au péché. Sois déterminé, bien-aimé, dans le Seigneur. Alléluia. La détermination, c'est un acte volontaire aussi. C'est la volonté, bien-aimé, dans le Seigneur. Tu es déterminé, tu dis, je dois finir avec ces choses dans la vie. Amen. Quand tu es déterminé, tu arriveras, bien-aimé, dans le Seigneur. Quand tu es déterminé, rien ne peut t'empêcher de faire quoi que ce soit dans la vie. Même dans tes affaires, si tu es déterminé, tu arriveras. Et je suis en train de croire que cet après-midi, quelqu'un qui sera déterminé entrera dans sa destinée. Amen. Quelqu'un qui est déterminé cet après-midi entrera dans sa destinée. Amen. Dieu a fait cette chose. Dieu est descendu. J'aime bien, comme je dis, pardon, les paroles de Paul, je les aime bien. Ce que Paul a dit, j'aime. Ce que Pierre a dit, j'aime aussi. Parce que je crois qu'elle est la leçon, la parole du Seigneur. Toutes leurs déclarations font partie de la parole du Seigneur. Mais quand je lis ma Bible, et que je vois quelque part, Dieu dit. Là, je m'arrête. Je ne vais pas trop vite. Paul pouvait dire, je crois aussi, bien. Mais ce que Dieu a dit, alléluia, ça ne rate pas. Ce que Dieu dit, c'est la vérité. Amen. Dieu dit, il dit. Parce que ce peuple est uni. Parce que ce peuple est déterminé. Rien ne les empêcherait de faire quoi que ce soit. Tout ce qu'ils auraient projeté dans la vie, ils le feront parce qu'ils sont déterminés dans la vie. Alléluia. Amen. La détermination, bien-aimé, t'ouvrira des grandes portes. La détermination, bien-aimé, dans le Seigneur, fera que tu puisses obtenir ce que tu as longtemps entendu. Longtemps.
temps, bien-aimé, dans le Seigneur. Ce que tu voyais de loin, bien-aimé, si tu es déterminé, tu arriveras à les toucher, bien-aimé. Alléluia. Amen. Il y a quelques exemples dans la Bible. Des gens qui étaient déterminés. La détermination, comme je dis, quelqu'un qui est déterminé n'a peur de rien. Quelqu'un qui est déterminé, bien aimé dans le Seigneur. Parce que la détermination produit la persévérance. Quelqu'un qui est déterminé, bien aimé. Tu remarqueras en lui qu'il est toujours persévérant. Un jour, Jésus était avec ses disciples. Il y a une femme qui est venue vers Jésus. Cette femme lui a dit à Jésus de donner à sa fille. De guérir sa fille. Parce que sa fille était tourmentée des esprits mauvais. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. Jésus dit à cette femme, on ne donne pas les peines des enfants aux chiens. Ah, franchement. Alléluia. Amen. Elle lui demandait la guérison de sa fille, mais Jésus lui répond ceci. On ne donne pas les pains des enfants aux chiens. Donc, en fait, Jésus voulait dire que tu ne mérites pas la guérison parce que tu es une chienne. Alléluia. Amen. Si Jésus, bien aimé, cette femme pouvait se décourager, se dire, oh, c'est lui qu'on croit être le Seigneur. Est-ce que dans sa bouche, il peut sortir de telles insanités ou de telles choses? Cette femme n'a pas laissé. Elle a dit à Jésus, même des chiens mangent des miettes qui tombent de la table des enfants. Amen. Alléluia. Amen. Cette femme était déterminée que sa fille devait guérir. Amen. Elle était tellement déterminée et la détermination a produit la persévérance dans sa vie. Elle a persévéré. Si tu es déterminé, tu seras persévérant dans la vie. La Bible dit que celui qui relâche dans son travail est l'ami de celui qui détruit. Amen. Qui détruit toi-même ta propre vie parce que tu es tenté de relâcher tout simplement. Tu n'es pas persévérant, tu n'es pas déterminé dans la vie. Il faut être déterminé. Quand tu es déterminé, la détermination produit la persévérance. Il y a un homme un jour, il dormait avec sa femme. Et le voisin à côté a reçu des visiteurs. Les visiteurs sont arrivés, ils n'avaient rien à leur donner. Et cet homme a dit, je n'ai rien à donner à mes visiteurs. Mais je sais quand même que j'ai un voisin, il peut me donner quand même du pain pour nourrir mes visiteurs. Cet homme est parti, il a toqué à sa porte. Voisin ne parlait pas. Il a rentré, toc. Quoi? Je viens demander du pain. Parce que j'ai des visiteurs, mais ils n'ont rien à manger. Ah bon? Ils n'ont rien à manger. Et cet homme lui a dit, je suis déjà couché au lit avec ma femme. Avec ma famille, nous sommes déjà au lit en train de dormir. Cet homme a compris, a dit, oh, si quelqu'un dort, il ne parle pas. Mais si cet homme est en train de parler, donc il n'est pas encore endormi. Alléluia. Donc je dois continuer encore. Il a continué, donne-moi du pain. Il était persévérant toujours. Il a continué parce qu'il était déterminé à nourrir ses invités que les mettent dans les terres. Il a persévéré jusqu'à ce que cet homme a dit non. Si je ne lui donne pas du pain, il va continuer toujours à me déranger. Je dois lui donner son pain. Alléluia. Amen. Et c'est tellement fini à avoir du pain. Parce qu'il était tellement déterminé. Et la détermination a produit la persévérance dans sa vie. Amen. Alléluia. Amen. Si tu es déterminé dans la vie, tu ne lâcheras jamais. Même si les choses étaient compliquées dans ta
vie. Tu ne lâcheras pas, bien-aimé. On t'a réfugié aujourd'hui, c'est déjà bon. Toi ça a dit, toi ça a mort dans la maman, toi ça a souvenir. Alléluia. Et tu as baissé les bras. Alléluia. Sois persévérant. Un jour, moi j'étais venu comme étudiant. Chaque année, tu devais étudier. Et aussi, chaque année, tu devais produire tes résultats, et la prise en charge et tout et tout. Chaque année. Maintenant, j'ai commencé à voir la famille. Il fallait aller renouveler encore. Cette année-là, je suis allé renouveler mon séjour. C'était le séjour d'une année chaque année. J'arrive au guichet. Ils m'ont dit ceci. Ils ont fait des calculs par rapport au revenu du garant. Ils m'ont dit que non, il manque un 20 euros. Parce que toi, tu as la famille, elle vit le revenu du garant et de ta famille. Le garant est insolvable. Il est insolvable, on ne peut plus te renouveler. Alléluia. Amen. J'ai dit, waouh. Pendant quelques temps, j'ai perdu les séjours. Le lendemain, les jours d'après, je suis encore revenu dans le même guichet. Là où on m'avait réfugié. Je reviens encore avec toujours les mêmes papiers. J'entre dans le bureau, on regarde, il faut des calculs, papa, il dit, le garant est insolvable, pas question qu'on te renouvelle encore ton séjour. Je retourne chez moi, bien. Alléluia. À partir, mais j'ai dit, malgré cela, je dois toujours aller. Je ne change pas de garant. Ils m'ont dit, il faut changer de garant. Où est-ce que je vais aller chercher encore un garant? J'ai dit, je ne change pas de garant. Je ne change pas de commis. Je ne change pas de guichet. Le même guichet. Aujourd'hui, bien aimé, je reviens encore. On me refuse encore. Le lendemain, je reviens encore. Ce jour-là, quand je reviens, bien aimé, ils ont regardé les papiers. Ils ont fait des calculs. Ils ont fait des calculs. Ah, j'ai vu, ils ont appelé encore une autre personne, arrivée. Ils ont commencé à regarder les papiers. Ils ont fait des calculs. Une autre personne arrive encore. Quelques temps après, tu as ton argent pour renouveler ta carte d'identité. Oh oui, j'allais. Je donne. Pam, ils ont renouvelé et c'est fini. Alléluia. Parce que c'était déterminé. Je ne devais pas changer les mains dans les ténèbres. Si tu es sûr aujourd'hui, cela ne veut pas dire que tes mains tu échoueras encore. Il faut perdre tes mains quand si tu es déterminé, il ne faut jamais avoir peur de l'échec. Amen. Beaucoup de gens ont peur de l'échec. Quand il échoue aujourd'hui, il dit, c'est fini pour moi dans la vie. Non, Dieu les mains dans les ténèbres. Si tu as la vision et que tu travailles par rapport à ta vision, tu es déterminé, tu arriveras bien aimé dans les ténèbres. La détermination produit la foi. Amen. Vous savez, il y a une dame, elle était malade durant 12 ans. 12 ans, elle était malade, il y avait la perte de sang. Cette femme, elle est allée auprès des grands médecins. Elle a perdu tout ce qu'elle avait, cette femme. Mais ce jour-là, elle a entendu parler de Jésus. Elle a dit, je ne laisserai pas cette chance m'échapper dans la vie. Elle a pris la résolution. Nous avons défini la détermination comme un acte de résolution. Elle a pris la résolution d'avancer, de toucher les pans de Jésus. Mais il y avait une grande foule, bien-aimée, pendant que cette femme arrivait. Elle avait la perte des sangs durant 12 ans. Vous savez que le sang pue, sang mauvais aussi. Alléluia. Elle était là, bien-aimée. Mais il y avait des gens qui la critiquaient. Mais toi, avec ton sang, qu'est-ce que tu es venu chercher ici? Tout ça. Mais elle n'attendait rien de tout ce que les gens parlaient. Elle avait tout simplement une détermination, celle de toucher les pas de Jésus. Amen. Une puissance qui est sortie de lui. Il a dit qu'un terme a touché.
Jésus qui touchait, mais Jésus n'a jamais entendu et il ne pouvait pas sortir de lui. Mais ce jour-là, parce que cette femme était déterminée dans la vie, parce qu'elle était déterminée, ce jour-là, alors bien-aimée, elle était guérie de sa maladie. Parce qu'elle était tellement déterminée à être guérie. Alléluia. Jésus lui a dit, ma fille, ta foi t'a sauvé. Alléluia. La détermination a conduit la foi dans la vie de cette femme. Parce qu'elle était tellement déterminée. Je suis en train de dire à une personne, même si tu n'as pas la foi aujourd'hui, mais si tu as la détermination, je te dis que la détermination produira la foi en toi. Amen. Alléluia. Amen. Il y avait un homme qu'on appelle Pierre aussi. Un jour, Jésus leur a dit, traversez de l'autre côté. Ils ont traversé de l'autre côté et pendant un moment, Jésus-Christ est arrivé. Il marchait sur les eaux et tout le monde était paniqué. Tout le monde était paniqué. Ils se sont dit, c'est un fantôme et tout ça, un fantôme, un fantôme. Mais Pierre a pris courage. Il a dit, c'est qui? Jésus a dit, n'ayez pas peur, c'est moi. Pierre a dit, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Alléluia. Amen. Pierre a dit, Jésus lui a dit, viens. Alléluia. Amen. Viens tout simplement. La détermination de Pierre a produit la foi en lui. Écoutez bien aimé, je voulais dire d'abord, si Dieu te dit une chose, il te demande de faire une chose. Si tu es réellement déterminé, que tu as entendu la voix de Dieu, tu n'as pas besoin des approbations des autres. Amen. Alléluia. Amen. Imaginez que Pierre demande maintenant à Jacques, est-ce que je dois aller vraiment? Mais il a déjà entendu la parole de Christ. Amen. Il demande à Jacques, Jacques lui dit, ah, Pierre, tu connais la profondeur de l'eau, hein, toi? Toi, tu es un pécheur. Tu connais, est-ce que tu as déjà vu quelqu'un marcher sur les eaux? Quand tu suis les choses, tu suis les opinions des autres bien-aimés, tu n'avanceras pas dans la vie. Ça détruira ta foi. Pierre est sorti tout simplement. Cette détermination a produit la foi en lui. Il est sorti de sa barque et il a commencé à marcher sur les eaux. Alléluia. Amen. Parce que la détermination produit la force. Quand tu es déterminé, tu n'auras peur de rien. La détermination, bien aimée dans le Seigneur, surmonte les obstacles. Il peut y avoir des obstacles dans ta vie. Mais quelqu'un qui est déterminé n'a pas peur des obstacles. Un jour, Jésus était en train d'enseigner dans une maison comme celle-ci. C'était dans la maison de belle-mère de Pierre. Il était en train d'enseigner, d'enseigner. La Bible dit qu'il y avait une grande foule. Grande foule. Quelques personnes ont pris la résolution. Ils avaient l'air paralytique, l'air fait paralytique. Ils ont dit, nous devons avancer vers Jésus parce que Jésus va les guérir. Ils sont venus. Ils étaient surpris de voir la foule qu'il y avait ces jours-là. Il y avait une grande foule. Si c'était toi et moi, viens, mon frère. Bon, ton menu quand même, il y a un moment bien. Que Libané et ton Liban, tu es là, on s'en les a. Mais ces gens-là étaient déterminés que ces jours-là, les frères devaient être guéris. Alléluia. Amen. Les bien-aimés, quand tu es déterminé, la détermination surmonte les obstacles. Oh. Ces gens-là ont pris la résolution de monter sur les toits de Pierre. Ils ont ouvert les toits. Ils n'avaient pas peur que Pierre va leur demander les défis. Que tu as levé quatre toits, tu dois payer. Non, non, non. Ils disent, cette chose à faire là, on les regardera après. Mais nous, nous sommes déterminés que notre frère doit être guéri. Alléluia. Ils ont surmonté l'obstacle, bien-aimé. Ils sont montés sur le toit. Ils ont descendu leur frère. Juste devant Jésus.
Alléluia. Juste devant Jésus. Il n'a pas besoin, il n'a pas eu peur des obstacles. Dites-moi quand les obstacles arrivent dans nos vies, tu recules, tu commences à reculer. Mais celui qui est déterminé n'a pas peur des obstacles. Même si les obstacles arrivent dans sa vie, il n'a pas peur. Il sait à qui il a cru d'aimer dans le Seigneur. Amen. Si tu as réellement le Seigneur et tu sais que Dieu marche avec toi, bien-aimé, si tu es déterminé, rien ne t'empêchera de faire quoi que ce soit. Alléluia. Ça, c'est Dieu qui le dit dans sa parole. Il dit maintenant. Je vous ai dit de souligner cela dans vos Bibles. Dieu lui-même parle maintenant. Rien ne les empêche parce qu'il a vu la détermination de ses peuples. Ils ont surmonté, bien-aimés. Ils ont descendu leurs frères paralytiques. Et ce jour-là, Jésus l'a guéri. Alléluia. Amen. Ils ont obtenu ce qu'ils voulaient dans leur vie. Leur désir s'est accompli, bien-aimés, dans le Seigneur. Parce qu'ils étaient tout simplement déterminés dans la vie. Alléluia. Amen. Déterminés. La détermination produit des grandes choses. Celui qui est déterminé ne recule pas. Il n'a peur de rien de lever dans le ciel. Il continue à avancer dans la vie. Il n'a pas peur d'échec de lever dans le ciel. Un jour, les enfants d'Israël étaient en combat sur la vallée de Gabaon. Ils combattaient avec leurs ennemis. Et Josué, c'est lui qui était le leader et c'est lui qui combattait au départ. Et la Bible dit que le combat était tellement atroce et la nuit commençait à avancer. Dieu était dans leur camp. Quand la nuit avance, dans le temps ancien, il fallait que chaque troupe se replie. Comme ça, on attend le lever du soleil. Et on ne veut pas avoir les combats. Josué, tellement qu'il était déterminé à exterminer ces gens-là, il a dit non. Les choses ne vont pas se passer comme ça. Ces gens-là ne peuvent plus se replier. On ne veut plus attendre le lendemain. Ces choses doivent finir aujourd'hui. Et la Bible dit ceci. Josué parla à l'Éternel. Il dit, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Et la lune sur la vallée d'Ajalon. La Bible dit que le soleil s'arrêta et la lune s'arrêta. Il me dit, tu es déterminé, tu es capable d'arrêter certaines choses dans ta vie. Des choses qui te tourmentent, des choses qui t'empêchent d'aller de là-bas. Dans ta destinée. Tu es capable de les arrêter, bien-aimés dans le Seigneur. Jésus a arrêté le soleil. La Bible dit que le cours du soleil s'arrêta sur Gabaon. Jusqu'à ce qu'il a exterminé ses ennemis. Amen. Alléluia. Amen. Jusqu'à ce qu'il a exterminé ses ennemis. Parce que l'Éternel était avec eux. La détermination. Bien-aimé, si tu es déterminé, bien-aimé, tu arriveras même à empêcher de certaines choses dans ta vie. Alléluia. Amen. Détermination sur tout ce que. Il y avait un frère, il a senti dans son cœur que cette femme, c'était vraiment sa femme. Il a eu cette conviction qu'une fille qu'elle voyait à l'église, c'est vraiment sa femme. À un moment donné, elle a continué toujours à prier. Elle prie toujours, Seigneur, moi sur la Kisingaï, vraiment moi comme moi Sinangaï. La vie appartient au Dieu. Tu sais, c'est facile hein, de chasser un démon, pasteur, que de retirer une main qui a été déjà doublée. Tu as compris ce que j'ai dit? Facile de chasser un démon. Démon, non, de Jésus, il passe. Mais une main qui a été déjà donnée à l'autre. Il y a un rachamot. Bien aimé. On sait que tu vas gêner, il n'y a pas de délai, de la table. Les choses étaient faciles pour toi.
si tu croyais que c'était ça, tout simplement, tu aimerais pas. Travaille, parle tout simplement, non hein? Parle tout simplement. C'est fait, le menu me dit, oh papa, tu vois, pour ma cette femme était vraiment ma femme. Si aujourd'hui, je suis tel que je suis, parce que c'est elle qui me donnait des conseils, tout. Oh. Et après, oh non, moi, il y a que moi, vous tout. Assobi mon thème à quoi. Parabou école mon boule. Alléluia. Il est resté avec cette conviction dans le cœur. Mais la main était déjà donnée à l'autre. Fais quelle prière tu dois faire. Fais on a confiance toi ça. Alléluia. Tu as mis la possibilité de parler. Tu es certain de travailler. Travaille bien aimé. Vois la terre. Parle tout simplement. J'ai dit souvent, même si tu es là, tu as l'onction de Dieu. Il y a certaines choses que Dieu déjà a mis à notre portée. Hein? Dieu ne le fera jamais à ta place. Dans ta maison, tu sais que tu as un robinet. Et il suffit seulement d'ouvrir ton robinet, l'eau coule là. Pourquoi parler en langue et mettre ton gobelet sous ton robinet et pour que l'eau sorte? Alléluia. Prêche papa. Pas seulement ton petit doigt, ouvre le robinet, l'affaire est finie. Tu n'as pas besoin de faire beaucoup de prières. Amen. Parce que la chose est simple. Tu as déjà mis certaines choses à notre portée, bien-aimé dans le Seigneur. Ça ne sert à rien de faire des prières et des prières et des prières pour rien. Il suffit seulement que tu avances, tu le fais et la chose directement arrive. Amen. Alléluia. Amen. Dieu, c'est un Dieu miséricorde, c'est un Dieu puissant. Alléluia. Amen. Si Dieu t'a dit une chose, il finit par l'accomplir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sois déterminé dans la vie. Et je suis en train de dire aujourd'hui, quelqu'un qui est déterminé, rien ne les empêche. Rien de faire quoi que ce soit dans la vie. Rien ne t'empêchera d'arriver là où tu es t'attends. Rien ne t'empêchera, bien-aimé, d'arriver à ta destinée. Amen. Cette femme était malade tant d'années, mais elle a été guérie ce jour-là parce qu'elle était déterminée. Est-ce qu'il y a un déterminé ce matin, cet après-midi? Est-ce que quelqu'un est déterminé cet après-midi? Tu es déterminé, lève-toi tout seul. Lève-toi, bien-aimé dans le Seigneur. Tu as écouté la parole du Seigneur. Dieu t'a parlé, bien-aimé dans le Seigneur. Tu dois avoir un objectif dans la vie. Tu dois avoir un but pour lequel tu poursuis. Tu dois avoir une vision, bien-aimé dans le Seigneur. Et ne t'arrête pas par rapport à ton objectif, par rapport à ta vision, par rapport à ton but, mais tu dois travailler par rapport à ton objectif. Et sois déterminé dans la vie. La détermination produit beaucoup de choses. Shalom. Je suis pasteur à l'église de Mangengo à Bruxelles sur 23 galeries Porte de Namur. C'est juste vraiment à Matongé. C'est là où nous exerçons le ministère de notre Dieu. Et c'est là que Dieu nous fait toujours grâce par sa puissance et par son action de transmettre la parole et de gérer aussi le peuple de Dieu. Vraiment, nous sommes très très contents aussi. Le jour où vous avez l'occasion de passer par Bruxelles, de venir nous rendre visite à l'église de Mangembo à Matongé.